Nous en venons à présent à la politique intérieure française. Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu dans 8 jours. Hier soir, Nicolas Sarkozy a pu dialoguer avec les habitants d'une cité populaire de Meaux dans un climat électrique, mais où chacun a pu s'exprimer. Marie-Pierre Courtellement. Très attendu en banlieue parisienne, Nicolas Sarkozy est arrivé hier en fin d'après-midi à Meaux. C'est le candidat d'un grand parti. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution que de venir et de lui dire « Sarkozy, nique ta mère », parce que ça fait son jeu. Dans une salle, pendant plus d'une heure, le candidat est revenu sur le mot « racaille » qu'il avait prononcé lors d'un déplacement à Argenteuil. « Je suis accueilli par un comité d'accueil qui m'envoie sur la figure des bouteilles, des boulons, Sarkozy, j'arrive, et elle me dit, débarrassez-nous de cette racaille, on n'en peut plus. Voilà ce que me dit cette dame. Et je réponds quoi à cette dame? Je lui dis, madame, je suis là pour ça, pour vous débarrasser de cette racaille. J'ai donc répondu à cette dame, je ne vois pas ce qu'il y a de mal, et je vais vous dire une chose, monsieur. J'ai bien l'intention de continuer à appeler un voyou, une racaille, jamais je n'ai dit que tous les habitants d'Argenteuil étaient des voyous. Quelques applaudissements, mais le candidat n'aura pas réussi à convaincre tout le monde. Il est sorti sous les huées d'un groupe de jeunes.